Welcome back. Je vous dis à nous dans la leçon 6, Microsoft Excel. Côté nous parle de travail sur le Numbers Formatting. Numbers Formatting, nous tient différent avec Text Formatting. Text Formatting, nous t'ai fait dans la leçon 5, côté que nous t'ai changé couleur texte. Nous t'ai changé, nous t'ai pas couleur de grandi, nous fait fente ou bien grosse texte pour paraître plus gros. Mais dans la leçon ça, nous parle de travail avec numéro pour nous voir qui est capable de changer, présenter numéro dans plusieurs autres façons. Pour me faire ça, moi, je vais ouvrir même workbook là, que moi, j'ai comme moi, travaillé sur lui dans la leçon 5 là. Joining. OK. MS Excel. OK, moi, ouvrir le 5 là. Qu'on a le même, ça nous a fait la leçon 5 là, côté que nous t'ai présenté, workbook là, ou bien, texte qui est là, dans une façon plus belle. OK. Ça nous pas parler en pile. Moi, je vais changer format ou bien, genre qui, date écrit. Dans Microsoft, dans Workbook, là, ou bien dans Spreadsheet, ça. Si on est capable de faire, on va venir, pour me changer, on est capable de venir, me choisir, une après l'autre, me changer. Même pas faire ça, je vais choisir toute colonne, non, ou bien column, non. Je vais choisir qu'on y a là, moins cliquer, moins peser main droite, moins. Moins choisir, et puis peser main droite, moins, dans n'importe côté qui choisit, hein. Et puis, comme menu capable de parler dans le format Cells. OK, dans le format Cells, qu'on a ma baisse sur Number Tab. Le nom de ça, je vais parler la date. OK, bon, mon ça, pour le cas, oui. Quand elle est capable de choisir une dans n'importe style, j'aimerais besoin de date la présenter. Regardez pour elle, par exemple, nous avons 6-12-2020. Si je voulais tout, je suis capable de prendre le format, ça me donne 0-3, ou ça va gagner 0 à bon côté, OK, les bons seuls digits, les bons seuls numéros. Je suis capable de dire besoin de deux numéros là, et puis je me dis 14, je suis capable de dire 12. Ça veut dire le cas à nous, la 20. Côté que je mette un seul numéro. Regardez pour que je choisisse. Quand il y a là, on va ça va changer. Côté que je pas gagner 2020, comme simplement gagner 20. Pour que je faire le consort, je changer le style des dates là. OK. Et puis, l'autre bas, nous sommes capables de faire. On nous dit, je mets une autre colonne. Je vais mettre une autre column entre mettre en services avec technician. Pour mettre une colonne entre mettre en services avec technician, ça m'a fait, je ne peux pas choisir technicien. OK. Et puis, ça m'a choisi le technicien, m'a besoin de la home tab qu'on y a là. Et puis, je vais aller, bon côté sales, partie section sales là. Et puis, je vais cliquer insert, petite flèche en bas. Et puis, là, je vais appeler insert sheet columns. Regardez pour vous. Quand on a moins de l'autre colonne qui est créée. Quand ça, je vais le faire, je vais l'écrire service fees. Okay, so, avec comme moins chargé client. Par exemple, je vais me charger client ça à 50 dollars. Je vais me charger client ça à 300 dollars. Je vais choisir client ça à 120 dollars. Je vais me charger client ça à 87 dollars 25. Okay, je vais me charger client ça à 122 dollars. 110 avec 10 cents. OK, 120 dollars 10 cents. Là, remarquez pour web, si m'a écrit l'argent comme ça, comme je charge le client, ou par exemple, je gagne 50 là, je gagne 300 là, et puis je gagne 120, et puis je gagne 87, 25. Ça veut dire que, ouais, par exemple, nous pas vraiment gagne en balance ou bien nous pas gagne en continuité. Dans Microsoft Excel ou bien dans Microsoft Word ou bien dans n'importe document avec vous, besoin de consacrer la continuité, spécialement dans Microsoft Excel. Moi gagne des digits, OK? Par exemple, moi 87,25. Et puis là, moi gagne 120, même les 120 dollars seulement me charger. Mais ça qui est important avec Excel, n'a besoin de changer numéro, n'a bien format numéro ça pour être capable de faire représenter même genre avec point, OK? Pour nous faire ça, on va cliquer column là. OK, on va cliquer column là. Moi-même, je vais peser le bouton droit mouse là. OK, on va cliquer column là, excusez. On clique sur lui, on choisit toute column là. On pèse le bouton droit mouse là. Qu'on y a là, on va aller dans format cells. Dans format cells, qu'on y a là, ça m'a coûté, on va aller dans currency. OK, ça veut dire l'argent. Mal dans currency, excusez, mal dans currency. Qu'on y a là, automatiquement, mal dans currency. Moi, dis, OK, currency, on déjà bam. Decimal places ou bien place décimale ou point après numéro 1, j'ai besoin de 2. Ok, je vais mettre 1 ou bien 2. Ok, je vais dire ok, je vais quitter sous 2, mais symbole là, c'est l'argent lié. Et puis ça, je vais quitter le pigeon lié là, je ne vais pas faire aucun changement là-dedans. Je vais cliquer OK qu'on y a. Regardez ce qui va le passer. Regardez ce qui va le passer dans le texte, dans le numéro qu'on y a là.
Ou après, qu'on est à tout, qu'on est à la vie, gagne point décimal. OK? Ou bien décimal point. Mais pas nous capable de changer le comme ça. OK? C'est important là, Excel pour qu'il y ait information. Hein? Très simple. Et puis, soit après qu'un numéro, mettre sur tout l'autre numéro, dans calamment ou bien dans l'autre Sergio, représenté par un même genre. On le bas n'a pas fait. Regardez qui j'ai un numéro, par écrit, par exemple, vous gagnez ça apparaît sous bord gauche. Tout apparaît même sous bord droite, numéro apparaît sous bord droite, sous bord gauche. OK? Il y a un bagage nous capable de faire, nous capable. On nous dit, nous voulons mettre le numéro, tout le numéro en mi-temps. Par exemple, nous là, numéro ça en mi-temps, et en mi-temps, c'est là. OK? La mi-temps, la mi-temps, il paraît plus facile pour capable de lire. Nous voulons pour tout texte là. OK? Nous voulons pour tout texte, il paraît la mi-temps. Nous avons choisi tout. Calam, non? Ou bien nous sommes capables de choisir ça tout. Ok, nous choisissons tout en seul coup dans là. Ça me besoin faire, moi, m'a dit, moi, besoin pour tout aller là, mi-temps. Ok, je vais aller dans Home tab et puis je vais aller là, mi-temps. Allez, pour vous. Qu'on a tout texte, vous paraît là, mi-temps. Ou même cliquer là, mi-temps, ou mot ça a changé, ou bah, je change, vient sous main gauche. Pour mettre sur la mi-temps, voilà, ou parler cliquer la mi-temps sur la mi-temps encore center. OK, on clique là et là maintenant, partir de la mi-temps, on clique là la mi-temps. Cliquer sur lui encore l'autre fois pour capable tout bah tourner la mi-temps. Avec dit tout mot qu'on y a là, la mi-temps. Parfois, il dépend de ce qu'on a écrit, on a besoin de présenter mot ou bien texte dans mi-temps celle-là. OK? C'est fin leçon ça, je devais faire les montrer nous qu'on est capable de jouer avec numéro yo. Dans Microsoft Excel et côté qui pour capable présenter une façon pour mon capable lire un software plus bien. OK? Merci, pas oublier avant d'aller pas oublier pour nous toujours cliquer sur save là nous fin chaque là nous fin font document, cliquer save sur lui. OK? Par exemple moi-même m'a pensé à me faire le numéro m'a faire leçon 6, m'a information mettez là. Mwen pa mette li lan leson 5 la, mwen mette li lan leson. Mwen konen mwen mal kre yon lot workbook, ok, ou bien yon lot spreadsheet. Mwen apre li leson 6 pou mwen fè sa, mwen pre li lan file, mwen pa val lan save, mwen pa val lan save, mwen pa lan save as. Save as ave di ke mwen pre li kre yon lot, ok. Mwen pa lan save as, konen ala map vin nan, gade nan an sa ala, li gen 5, mwen ap chanje li. Mwen ap chanje li an 6. OK, et pas oublier moi dans document training Microsoft Excel dans folder ça moi m'a voulu quitter un file là et puis ça m'a fait m'a dit save qu'on a vinn gagner un autre document qui est le leçon 6 on y a côté qui est leçon 5 là qu'on a soit là si mal la leçon 5 là après le tourner il est toujours même j'ai été avant sans qu'il pas aucun changement sur lui parce que ouais date là toujours être même genre. Je n'ai pas une colonne qui marque FIS là. Okay? Ça veut dire que je crée une autre copie. Je vais modifier. Je crée une autre copie. Et puis, copie ça qui est original là, l'héritier, j'ai été sans qu'il pas changé. Encore merci. C'était avec un plaisir. Je vais porter le leçon 6 là pour vous. Après, la leçon 7 là.